@diamondpickaxe, non? On fait ça? Hop! Voilà, give@diamondpickaxe, dit give@diamondaxe. Non, 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 mais j'ai refait la même connerie que la dernière fois! Il fallait pas que je give ça! Clear@A, hop! Bon, tant pis, hein. J'ai refait la même connerie que la dernière fois! J'ai refait la même connerie que la dernière fois, c'est trop de rebar. La dernière fois, j'avais fait exactement pareil, j'avais give une hache et puis je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je give parce qu'en 1.20, la hache allait trop fumer. Des beurs! GG à tous, j'ai refait deux fois la même bêtise. Et en plus, le pire, c'est que juste avant, je dis il faut pas que je fasse la même connerie quand même. Non, mais ça, c'est vraiment incroyable hein, quand même. Non, mais mec, je suis vraiment trop fort. Hein. C'est quand même incroyable. Je suis vraiment trop chaud. Restart, non, c'est bon, j'ai la flemme. Tant pis. Hein. C'est bon. Hein. Tu peux pas ridou. Non, j'ai la flemme, c'est bon. Hein. Ils ont un cerveau, hein, les gens, c'est bon. Hein. Ils retiennent les crafts. Hein. Allez, sinon, tu ouvres bloc-notes et ça part. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Effect@A. Attendez, parce que je les connais, les gens. Effect give@A. Résistance. Non, pas infinite. Non, non, non. Seconde. Si, on fera infinite. Attendez, infinite. Et on va faire 100. Voilà. Je vous retire la résie au PVP. Oh non, non, je suis un abruti. Trou. C'est bon. Voilà. Ok, deuxième game. Du coup, on disait... Alors, ça part, hein, bloc de terre. Let's go, petite fleur. Petite fleur. Petite polichette blackstone. Alors, il faut bien que je me souvienne cette fois-ci que il faut que je... Dès que j'ai la possibilité de tester... Ok, on va tester les light candles. Les light candles sont plus intéressants. Ok, j'ai du bois. Ça, c'est plus intéressant. On va toujours tout tester, tu sais quoi? Ok, ça, je peux en faire quelque chose. Je peux rien en faire. On teste. Mais ça, je peux en faire quelque chose, je crois, non? Ah non, je peux rien en faire. Ok, la laine. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On peut rien en faire de la laine. Donc, je pète la laine. C'est le même début que la dernière fois, donc la même fin, exactement. Ah, on a de l'opsy, déjà c'est pas mal. Parce que du coup, l'opsy, ça veut dire que... Ah bah non, mais de toute façon, ça sert à rien, en fait, pour la table d'enchant, en fait, ça ne sert strictement à rien, en fait. Donc non. À la limite, je vais tester de casser l'opsy, mais on va vite s'arrêter, quoi. L'enfer sans les livres, ça va bloquer comme la dernière fois. C'est pas grave, mec. C'est pas grave, les gens ont qu'à être intelligents, hein, je te le dis. Au pire, vous m'aidez dans le chat, hein, ok. Ok, un smoker. Ah, mais attends, mais vu qu'il y a random... Les smokers, c'est pour faire quoi déjà, les gars? Le smoker, c'est pour le... c'est pour faire cuire la bouffe? C'est pourquoi que ça cuit? T'as vu la mina ou pas? Ouais, Xintech, excellent, merci. C'est top. J'apprécie. Non, je me suis trompé, je voulais pas poser le bloc. Bon, c'est pas grave. Ensuite, là. Ok. Ça, ça. Je vais tester tous les blocs, hein. Franchement, vous savez quoi? De toute façon, même moi, je serais incapable de vous dire quel bloc donne quoi. Donc, pumpkin seed, ok. Est-ce que ça, éventuellement... Ok, ça, ça donne des fleurs. Qui donne ça? Qui donne ça? La bouffe, hein. Oui, merci, du coup, chat. Merci. Ça. 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 Spencer. Bon, de toute façon, ça va être très long, hein. Le temps de trouver quelque chose qui est intéressant, ça va être très long. Comme la game précédente qu'on a fait, ça va être très long. En même temps, le random loot plus craft, c'est très compliqué, hein, parce que autant random loot, ça va, random craft, ça va aussi, mais les deux cumulés, ça va plus du tout, hein. C'est vraiment un truc hardcore que j'avais vu la dernière fois, là. Merci Carlito, c'est le vrai? Moi, je pense que c'est le vrai, hein. Ok, une émeraude. En vrai, attendez, tant que je suis là, vous savez quoi? On va profiter, on va tester ça, là. Ça, là, ces trucs-là, là. Ok. Donc du coup, ça, ça ne sert strictement à rien, on est bien d'accord, hein. Ok, donc la canne à sucre ne sert strictement à rien. Autre test, hein. Ça. Le sable. Comment je sens que ça va servir à rien, ça aussi. Obligé, c'est le vrai. Moi, je pense aussi, en vrai, je pense. Le dispenser, tu mets des items dedans? Je crois que ça marche pas, ça. Hein. Le son du jeu est assez fort, dites-moi. Parce que moi, j'entends rien, personnellement. Du dripstone block, ok. Oh, un trap chest. Alors, je crois que le trap chest, si je... Non, mais non, mais je crois que j'avais déjà fait le test la dernière fois. Et en fait, ça me drop rien si on fait ça, je pense. Je crois que ça me drop rien du tout. Ça, la concrete powder, ça aurait pu être intéressant si je l'avais posé dans l'eau, plutôt, je pense. Mais en fait, vous savez que là, l'objectif de cette UHC maintenant, c'est d'essayer tous les crafts possibles. Parce que de toute façon, on s'est aperçu un truc, c'est que dans le random loot et craft, tu ne peux pas avoir d'item intéressant, genre de l'armure ou une hache, avec du loot. T'es obligé de le crafter. Donc en fait, il faut chercher avec le random loot des items qui peuvent te permettre de crafter quelque chose. Genre ça, par exemple, du coup. Voilà! Ça, par exemple. Du coup, voilà, déjà, on a une hache. Qui est tout aussi... Bah non, c'est plus puissant en fait que la... Largement plus puissant que ça, voilà. Donc en fait, il faut chercher absolument des items qui peuvent donner des crafts. Hein. C'est ça la solution de cette UHC. Et d'ailleurs, tiens, vu que là maintenant...
Je crois que c'est... Ouais, voilà, c'est aléatoire aussi pour les mobs. On va tester de tuer tous les mobs. Ouais, les feuilles, je vais tester aussi, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je crois que j'ai pas testé le birch normal. Ok. Ah, mais attends, mais non, mais je suis trop con, en fait. Ok, ça, c'est un autre type de bois, ça. Ouais, ouais, attendez. Je vais tester. Vous entendez encore la musique ou plus du tout? Moi, j'entends plus. Quasiment plus. Peut-être qu'il faut que je la mette un peu plus forte. Ok, un autre type de bois qui donne de la snow. Sauf que la snow, je crois que ça fait rien du tout. Peut-être que si on fait ça... Non. La snow, je crois que ça fait rien, hein, je crois. Ouais, ça drop juste des bannières comme ça. Attends, quoi? Oh, ce bloc-là donne le même bloc. Ok. Donc, du coup, ça, ça ne sert à rien. Donc, ça, maintenant, testons de casser la snow. Oh! C'est quoi, ça? Oh! What? Oh! C'est des barres. C'est pas un nouveau bloc de la... Si, c'est un nouveau bloc de la 1. Oh, ça, c'est intéressant, ça, par contre. Ça, c'est très intéressant. C'est un nouveau bloc de la 1.20, ça, tu crois? Oui, on entend la musique. Je m'excuse pour la game. Ouais, excuse-toi, ouais, espèce d'abruti, va. Non, mais c'est trop pénible, en vrai. Franchement, je te jure, c'est trop pénible. Hein. Tout le monde t'a écrit un truc aléatoire et les gens m'ont attaqué pour ça. C'est vraiment... Trop pénible. Trop pénible, cet enfant-là. Pas possible. Hein. Ouais, les feuilles, je vais essayer. Ah, c'est la fleur du sniffer. D'accord. Merci pour le sol. Ok. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer quand même de faire ça. Parce qu'en vrai, je veux voir si la cobblestone drop quelque chose. Ça drop un autre type de bois. Oh là 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 là. Non mais mec, alors là, non, on est reparti pour la même chose qu'avant. Non, on est reparti pour la même game. Non, 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 non. On va pas refaire la même game que la game d'avant quand même. Non. Oui, les feuilles, je vais les faire. Vous inquiétez pas, je vais faire. Attendez, hop, je teste de craft un truc. Ok, on a un beacon. Putain, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans en fait hein. Je me demande si la nether brick c'est pas intéressant en fait. Qu'est-ce qui peut être intéressant à utiliser là? En fait, il faudrait que je teste tout en fait. On va tester les deux. Ok, ça, ça me donne aucun craft hein. Ça, ça me donne pas d'item craftable. Le... J'aurais pas dû faire ça je pense. Ok, blackstone wall. Polished blackstone wall. De la pumpkin, on peut rien en faire. Je peux la mettre sur ma tête éventuellement, c'est tout ce que je peux faire. Cup, copper en quelque chose là. Oui, c'était des arbalètes la dernière fois, c'est vrai. Par contre, il faudrait que je trouve des flèches, ça serait pas mal. Deadbush, hein. Ok. Et ça. Ça, en vrai, si on les plante, ça peut dropper... on peut pas... Ah, oh, le lapis. Ça, c'est bien, ça. Parce que du coup, si on a une table d'enchant, on pourra s'enchanter. Donc ça, attendez, comment on a fait déjà pour ça? Je sais plus. C'était ça, non? C'était ça. Et ça. Je crois que c'était ça, il me semble. Et ça, je l'ai transformé en bois. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça, je crois. Non, ça, c'est les arcs. Et par contre, j'ai pas testé de le casser, ça, du coup. Encore d'autres bougies. Oh, ça me redonne un autre type de bois. Mais quel enfer. Mais j'ai tous les types de bois de la terre. Hey, ça, je l'ai eu, du coup, tout à l'heure. Hein. Curve pumpkin. Ouais, voilà. Bah, du coup, en vrai... En vrai, là, on peut avoir plein de lapis. Ça, c'est pas mal, en vrai. Et avec les fleurs, tu peux crafter. C'est vrai, ce que tu dis, mec. Hein. C'est vrai, ça. Pearl on. Bah en soi oui on va pas les interdire donc en soi ouais. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de le casser quand même histoire de 1 hein, pour savoir un peu. On peut en faire quelque chose? Ah ouais, on aurait pu en faire quelque chose, je suis un abruti. J'aurais pu en faire quelque chose de ça. Bon c'est pas grave. Je vais tester ça vite fait là. Ok, des stairs. Blast furnace, ça c'était pour les minerais. Un juggle signe. Bon. Bref on va arrêter là. Ok, crimson. Magenta. Je pense que le magenta c'est pas intéressant parce que du coup je crois que la glace ça donne rien dans Minecraft. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû tester de le crafter. Putain je suis trop con. Black terracotta. En fait il faut que je trouve des items, voilà, des items qui craftent quelque chose en fait. Genre limite ça c'est peut-être plus intéressant parce qu'il y en a 9 en fait. Ça c'est plus intéressant. Et voilà. Ok bon alors. Alors là les gars on est vraiment très bien. Voilà là maintenant là vous voyez. On est très bien parce que là au bout de 10 minutes on a déjà les flèches. Par contre, comment on a fait ça? Excellente question, le chat. Excellente question. C'est vrai que le lapis fait une... Ouais, bon. Bon, en vrai, on peut tester, allez. On est plus à ça près. Ok, déjà, j'ai ça. Donc, on est reparti comme la game d'avant. Ça, c'est cool. Ça aussi, ça fait un colorant. Mais en fait, vous avez raison. Il faut que je teste tous les colorants, en fait. Eh oui. Mais non, mais vous avez raison, en fait. Vous êtes smart, en fait. Vous êtes tout smart. Tout smart for me. Ok. Il y a bien un truc à un moment donné qui va me donner quelque chose à crafter là quand même. Genre ça par exemple. Stripped birchwood. Est-ce qu'on l'a déjà testé ça? Je crois qu'on l'a déjà testé je crois. Ouais.
Et la torche, on l'a déjà testé. Ok, donc là, on a une boucle là. Là, on est revenu là-dessus. Birch log, pareil. Ah non, mais c'est le même en fait. Ok, c'est le même bloc. What the fuck? Et, mais attends, quoi? C'est le même bloc qui ne donne pas le même craft? Enfin, qui donne pas le même loot? What the fuck? Hein? Mais pourquoi ça donne pas les mêmes loot que tout à l'heure? What the fuck? Mais qu'est-ce que... Et là ça redonne le lapis? Non mais mec, je ne comprends rien à cette game. Attendez. Non mais là je pète un plomb là. Là j'ai déjà plus de cerveau là. Fait que clic droit sur un arbre avec ta hache, ça le strip, ça fait un autre bloc à casser. Bah ouais du coup ouais. Complètement. Ça me faisait quoi du coup? Ça faisait un lit. Et pourquoi c'est pas le même truc là? Non mais attendez. Mais attendez, mais regardez, c'est pas le même lapis les gars. What the... Non mais c'est pas le même lapis. What the fuck? Je peux pas les stacker? Je suis mort hein. Le lit donne des flèches après je crois. Non c'était pas le lit qui faisait ça. Je crois que c'était pas le lit. Je sais plus ce qu'il donnait. C'est quoi cette game JPP? Mais je te jure. Merci Flomax, merci Imparfait pour les subs. Merci. Oh, les mobs sont aléatoires. Oh là là. Oh 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 là 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 là. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Attendez. Qu'est-ce que je viens de voir? Il y a des piglins brutes. Après c'est vrai qu'on a résistance 1000 donc en soi après résistance 1000, qu'est-ce que ça veut dire résistance 1000? Il faudrait que je trouve les arbalètes comme la game d'avant, c'était trop drôle. Non merde, faut que je fasse ça là. Hop. Oh, tiens, on a... Attends, du coup ça dropait quoi ça? OK, des purpurster. OK, du cherry plaidster. OK. Un truc rien à voir. OK, du granit. OK, de l'endstone brick. OK, de la sandstone. OK, une lanterne. Ah, enfin un truc qui est bien. Et ouais, mais ça on l'a déjà eu tout à l'heure ça. Mais ça c'était pas les... Je crois que ça c'était les... Mais mec, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes... Attends, mais c'est pas les mêmes crafts que tout à l'heure. C'est pas les mêmes loot. Ça me donne pas les mêmes items que tout à l'heure quand j'ai cassé ce bloc. Ça me donnait pas ça en fait, tout à l'heure. Si? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas que ça me donnait ça tout à l'heure. Hein. Je crois pas. Hein. Fais clic droit sur la terre avec ta pelle. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je crois que c'est le même bloc ça par contre. Ouais. Je crois que c'est le même bloc. Hein. Bah attends, en vrai ce qu'on peut faire sinon... Attends. Attends, il y a des mobs. Attends, mais tiens, je vais tester de voir ce que les squelettes donnent tant que j'ai résistance là. Ok, du copper. Hein. Je crois que c'est un autre bloc ça. Parce que du coup, c'est la flèche qui est remplacée par le copper. Hein. Ok. Il m'a aussi droppé une cornflower qui donne un bed forcément. Red sand. Franchement, les amis, si on trouve ne serait-ce qu'un bout d'armure, un bout d'armure dans cette game. Franchement. Incroyable. Le wood et le log donc deux choses différentes puisque c'est pas le même bloc. Mais oui mais Ah oui non mais tu veux dire quand t'as fait clic droit dessus c'est ça que tu veux dire? Ok ouais. Putain mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Du dryad kelp. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? La nether brick she's led, on peut rien en faire, on est d'accord hein. Oui on peut rien en faire. Attendez, y'a trop de mobs là. Teste les piglins, tu peux pas die. Et si drop des épées en or, ça peut être un truc cool. Oui, non, mais c'est sûr. En vrai, ce qui pourrait être cool, c'est de tester les slimes et les trucs comme ça. Après, le problème des piglins, c'est qu'on perdra jamais l'aggro. Et ça, c'est pénible, hein, par contre. Oh, les slimes, quand ils meurent, ça fait popper des silverfish. Non, mais c'est qu'est-ce que c'est que cette game? Mais qu'est-ce que c'est que cette game? Mec, regardez-moi ça! Regardez-moi ce foutoir! Et moi, je veux pas ça, en fait. Je veux pas ça, en fait. Mais mec, qu'est-ce qui se passe dans cette partie en fait? Mais la personne qui va réussir à survivre va juste s'enterrer sous le 0-0 et attendre en fait. Imagine des slimes qui feraient spawner des wizards. Mais une fois j'avais tenté d'activer ça, le tout est random. Et ça a droppé ça. Bon en vrai si vous voulez qu'on fasse un UHC random qui est plus orienté sur les mobs qui sont aléatoires, bah dites-le en vrai. Du coup vu qu'il y aura sûrement une vidéo sur ça, du coup dans les commentaires hein, tu connais. Donc bon. Qu'est-ce qu'il me raconte Attends. Attendez, parce que là je reçois. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je reçois.
Je me suis fait spammer de MP d'un coup. En général, ça sent pas bon, ça. Je me suis fait spammer de MP d'un coup, là. Alors là. Là, ça sent pas bon, là. On va voir, attends. Là, ça sent pas très bon. Tu vois, quand je me fais spammer de MP par 3 personnes d'un coup... En général, ça sent pas très bon. Et c'est 4 blocs de laine pour un fil. Ouais, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, c'est sur article, les 4 blocs de laine pour un fil. Il y a un mec qui est là. Il a un skin d'Amphinobi, c'est forcément une bonne personne. Mais en fait, là, je suis en train de me faire poutrer la gueule par tous les mobs de la Terre. Quelle galère, là. Essayer d'écorcher le Hawk. Mais je crois qu'on l'a déjà eu, mec, le Hawk. Ouais, on l'a déjà fait, celui-là. On l'a déjà fait, le Smooth. Hein. Merci, Tigermat. Merci beaucoup. Tigermat, merci infiniment. Mais mec, il y a trop de mobs de partout. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces blocs? Qu'est-ce que c'est que tous ces mobs? Il y a un coffre. Ça, c'est le coffre qu'on a eu tout à l'heure, ça. Moi, en fait, je veux juste me barrer. Il y a trop de mobs, là, en fait. En vrai, venez, je teste la brute. Mais vous pensez pas que la brute, elle va juste me one-shot, en fait? J'ai trop peur. Tu veux pas tester pour moi, Pablito, là? Ah non, c'est Polito, pardon. Excuse-moi. Pardon. Pardon, tu veux pas tester pour moi de taper la brute et tu me dis si ça se passe bien? En vrai. Va miner en dessous de toi. Ouais, je pense que je vais aller miner. Hein. Ah, mais attends, c'était quoi que je voulais faire? Non, c'était... Si, c'était ça que je voulais faire tout à l'heure. Voilà, c'était ça. Hop. Attendez 2 secondes. Hein. Pardon, excusez-moi. Désolé. T'as résé 1000, comment tu penses te faire one tap? Bah parce que ces mobs là, mec. Franchement, moi je sais pas. Hein. Le slime donne des bottes en diams. Ouais, mais ça, faut pas le dire, mon pote, ça. ça, tu vois, ça, c'est un truc... Ça, faut pas le dire, du coup, ça, en général. Ça, et ça en général, quand il y a un mec qui dit ça... Non, mais y'a rien de grave, hein, vous inquiétez pas, là. C'est juste qu'ils ont eu des problèmes sur... UHC World... sur la LAN, du coup, ils ont dû annuler les games de ce soir, j'ai pas compris, et, sauf que... J'irai après, quoi. Attends, mais comment ça le slime donne des bottes en diams, ça? Comment c'est possible que le slime donne des bottes en diams? Ça, c'est pas possible, non? En fait. Ah, mais si, il faut un petit slime. Vas-y, viens me tabasser, mon gars, viens! Viens me tabasser! On va voir maintenant c'est qui le plus fort entre toi et moi, là. Viens! Ah oui, il faut tuer les bébés slime, du coup. J'ai menti sur le slime, ah l'enfoiré. Après, on peut-être qu'il a pas menti, parce que je crois que les bébés slime drop vraiment... Merde. Bon, pire tant qu'on est là, vous savez quoi? Je crois que les bébés slime, ça drop vraiment des... Oh, bah on a mieux, donc ça sert à rien. Les bébés slime... Putain, quel dommage, hein. Quel enfer. Hein. Oh là là, les blocs de diams, ça c'est... Oh là là, les blocs de diams, mais on peut rien en faire. Hein. Oh là 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 là. Eh, c'est con que l'annuel passe, là. J'en peux plus, en fait. Vous comprenez ça? J'en peux plus, en fait. Là, on est là. Je suis à bout, encore. D'accord? Je suis à bout, en fait. Continue le bloc de diam, ça. Oui, non, mais clairement. Après, je me demande, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'essayer de le transfo aussi, tu vois? On va tester les deux. Parce qu'en fait là, oh...
Ah oui, non, mais attends, parce qu'en fait, j'ai cassé le même bloc. En fait, là, ça peut être intéressant. Attendez, parce que là, on a plein de trucs. Ça peut être grave intéressant, ce truc-là. Parce qu'avec ça, je fais table de craft. Ça fait un beacon, on est d'accord. Mais ça, c'est les mêmes trucs, en fait. Hein. Oh, par contre, mec. Ok. Ok, une pièce d'armure. Allez, j'avais dit que ce soir, si j'avais une pièce d'armure, c'était victoire. Une pièce d'armure. Une pièce d'armure, mais en rien, quoi. En rien. Ok, les gars. Une pièce d'armure. Ça, on l'avait déjà eu, ça, tout à l'heure. Mais là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond avec ça, non? J'ai l'impression qu'on tourne en rond parce que ça, on l'a déjà eu. Cut copper. On l'a déjà eu, ça. Oh non, la crying obsidian, j'ai la flemme. A plus, Lynx. 08. Merci d'être passé. Fais un beacon avec les blocs de diams, ça. Bah, après, le problème, si on fait ça... C'est qu'en vrai, oui, c'est sûr que ça peut être, ça peut fonctionner, mais oh putain, j'ai tellement de trucs à tester, bordel là. Attendez, on teste ça d'abord. Allez, on fait dans l'ordre. Vous savez quoi? La laine bleue comme ça là. En plus, il y a bientôt le PVP, hein, mine de rien, ça arrive très vite. Hein, donc en vrai, je pense que ok, pomme rouge, ça c'est intéressant. Sauf que pareil, en fait, non, c'est intéressant, mais non en fait, parce qu'on va pas s'emmerder à faire 8 blocs d'or. Donc en fait, non, c'est pas intéressant. Est-ce que je testerais pas de casser le bloc de redstone là? Ouais. Jungle wood, light grey. Ça on l'a déjà fait je crois. Ok, bon c'est bon, là je crois qu'on a fait le tour, c'est bon. PVP 20 ou 40 minutes, c'est 30 minutes je crois le PVP. J'ai mis à 30 minutes donc c'est dans 10 minutes le PVP. Par contre, j'aimerais quand même tester de trouver un petit slime parce que même s'il a menti le frérot, effectivement les bébés slime drop quand même des items. Donc c'est intéressant de trouver éventuellement des bébés slime. Ça peut être intéressant. Les pigmen, je sais pas si ça vaut le coup qu'on essaie de les tuer. Donc en vrai, si en vrai les pigmen, on peut les taper quoi. Ah oui, ok, il me fait vraiment zéro dégâts en fait, le frérot là. C'est vrai qu'avec Resin 1000, on est tranquille quoi. Vas-y, bah du coup, je vais tester de taper un pigmen, on va voir. En vrai, je fais bien le pigmen, vous trouvez pas ou pas? Ouais, il y avait des slimes, mais il me faut des bébés slimes, pas des gros slimes. Hein. C'est ça le problème. Ok, j'ai eu le deux items que ça peut me dropper. Belle. Ok. Bah voilà, déjà on a notre beacon qu'on voulait tout à l'heure là. Ça m'évitera de le crafter. Premier degré, il y a du potentiel. Non, mais en vrai, j'ai chaud, hein, je pense. Hein. Par contre, du coup, je vais me faire aggro par les pigmen jusqu'au bout de la terre en fait. C'est ça le problème là. Là est le problème. Par contre, pourquoi il me drop encore d'autres items là? Ça peut dropper quoi les pigmen comme items? Ça peut en dropper plusieurs? Ah, ça peut dropper 3 items différents les pigmen? Non, mais je pense que là, au début de la game, on va essayer de jouer avec l'arc, je pense. A mon avis, c'est la meilleure strat possible. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est ça hein, qui se passe en général. Hein. Dark Oakwood, on l'a déjà fait en plus, donc c'est mort. On l'a déjà fait. Et là, c'est du raw iron, donc il faudrait que je trouve le four pour le faire quoi. Pépite d'or. Parce qu'attends, ça peut dropper quoi? Ah, les mythes, c'est peut-être une épée qui m'a droppé, non? C'est épée nuggets, viande de zombie. Donc en gros, là, c'est comme s'il m'avait looté. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Je vois, on n'a pas testé, tiens, les poyos, là. Les poyos, fais voir. Testons un peu, là. Grey Concrete. Y'a pas de l'eau qui traîne quelque part là? Faudrait que je trouve de l'eau là. Ouais, là-bas. Par contre, c'est super beau là, vous avez vu? Regardez comme c'est trop beau. Comme c'est trop stylé ici. Non, mais c'est incroyable hein, cet endroit. Moi, je pense que si je faisais une survie sur cette map, je choisirais cet endroit pour commencer ma base. Mais genre une minute hein, après, je partirais. Casse le beacon et tu en reprends. Bof. Bof, parce que ça prend déjà 10 ans à le casser donc. Surtout que je sais même plus comment j'ai fait, donc bon, laisse tomber. Blackstone, on peut en faire quelque chose ou pas du tout? Non. En fait, il faut que je me trouve des items à crafter, en fait, les gars. C'est ça, le truc. Faut que je me trouve des items à craft. Hein. J'avais vu du fer là-bas. On va essayer d'aller crafter le fer, hein. D'aller casser le fer pour voir ce que ça donne. On va essayer d'aller voir ça. 30. On va essayer d'aller voir. Ouais, les algues. Ah, il y avait du gravier, là. Le gravier, c'est bien. Attendez, on va tester le gravier. Oxide copper, on peut rien en faire. Ok. Smooth sandstone.
Il faut vraiment que je me trouve un truc où je peux crafter quelque chose avec, parce que là, ça pareil, ça je peux rien en faire hein, pour l'instant de ça. La cobble, c'est... En fait, la cobble, ça drop le même loot que la stone, j'ai l'impression. Ou qu'un autre truc. Ce skull 8-4, c'est moi, let's go. Ah, ça par contre, ça c'est intéressant. La concrete powder, c'est intéressant. Ok, on a une enclume. Ça, c'est intéressant pour le coup, parce que du coup, là... Je vais en prendre une deuxième, au cas où, si jamais j'arrive à trouver plus tard quelque chose d'intéressant. En fait, là où ça... Oh non, j'en ai encore deux. Oh non, mais il y a deux trucs différents. Parce que la concrete powder, là... c'est trop drôle. C'est génial. Parfait, on va rester comme ça, en fait. C'est exactement ce qu'on voulait, en fait. C'est exactement ce qu'on voulait. Ta-da-da-da. Block of coal, redstone repeater, plus intéressant du coup. Ah, ça j'aime bien voir ça, tu vois. Ça j'aime bien voir du type de bois comme ça, parce que le bois comme ça nous permet de tester plein de choses. Alors. Super, chose en question, exceptionnel. Ouais bah là on peut rien en faire hein, du coup. Hein. Si en vrai, si j'en prends 4, éventuellement je peux faire ça. Non, je peux rien en faire de ça. Non. Bon bah c'est inutile alors. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à tester? On avait, je crois, on avait la concrete normale aussi. Oh, ah, ça c'est le silex. Hein. Ok, red mushroom c'est le silex. Non mais c'est bon, stop le silex là. Non mais stop le silex en fait. Ah merci. Ça c'est ce qui remplaçait le silex, donc ça c'est bon. J'avais testé la concrete normale ou pas du tout? Je me souviens pas. Non, ok, donc la concrete normale ça sert à rien. Il faut faire du vrai béton. Du vrai béton que tu mets dans l'eau. Parce que le bloc de béton qu'on drop là, en gros il a deux formes ce bloc de béton. T'as le bloc normal comme ça et t'as le bloc quand tu le mets dans l'eau, ça fait un bloc dur. Sauf que du coup... Ça fait deux blocs différents à tester. Et c'est pareil pour le concrete là, en fait. Birchlog, mais ça on a déjà fait. Copper améthyste longue vue. Ah, c'est vrai? Attends, c'est avec... non mais c'est plus, non? Et ouais, c'est avec... Enfin, c'est avec... il faut une table de craft, non? Ah, il faut une table de craft. Hein. Il faut une table de craft. Parce que le copper, je crois qu'il n'y a aucun craft sans table de craft, hein, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Fait deux arcs dans l'enclume. Hein. Ah, pour la fusion, tu veux dire? Ah, pourquoi pas? En vrai, ça peut être intéressant pour voir si ça fait quelque chose. Attends, fais voir. Si je fais ça. Eh, ça marche pas, ça. Par contre, j'avoue que la fusion dans l'enclume peut donner quelque chose d'intéressant. Bon, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais t'as compris. Ou deux arcs dans l'inventaire, c'est désactiver ça, du coup. Après, je pense que peut-être deux arcs dans l'enclume, ça va l'être. Non, mais mec, là, je me tape que du flint, en fait, depuis tout à l'heure, là. C'est bon, en fait. On est fatigué. Ok, donc ça c'était enclume. Attends, je teste. Hein. Tu sais quoi, je teste. Ah, ça marche pas, on peut pas fusionner. Parce qu'il y a pas d'enchant dessus, je pense. Et ça c'était quoi déjà? Birch Lab qui donnait quoi déjà? Ok, une tête de joueur. J'avais testé la tête de joueur ou pas? Ah non, je l'ai sur ma tête. Hein. Oak Sapling. En vrai, Oak Sapling, ça peut donner quelque chose. Hein. Rename l'item dans Landville. Hein. Ah ouais, j'aurais pu faire ça sinon. Mais je pense que ça marchera quand même pas à mon avis. Oh 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 oh, ça c'est les arcs ça. Mais du coup tout à l'heure j'ai pas testé parce qu'à tout moment ça, vu que j'ai pas crafté, ça peut me donner quelque chose d'intéressant au bout. Hein. Ah bah voilà. Alors on a un diamant, le problème c'est qu'en fait on peut rien en faire de ce diamant. Et le problème c'est qu'il y a le PVP dans 5 minutes à droite là. Champi, faudrait que je teste dehors mais faut que j'aille à l'ombre du coup. On a testé ça d'ailleurs ou pas ça? Comment c'est long à casser par contre ce truc hein. Oh! Smooth Quartz Terre. Alors, dans le premier UHC random, c'était ces trucs là qui m'avaient donné... accès à tout, à la vérité. Utilise l'arc. Ah mais de toute façon je vais utiliser l'arc, hein, ne t'en fais pas. Hein. De toute façon je ne vais faire que ça, hein. Ça je peux te le dire. L'émeraude ça ne me sert à rien. Par contre la spruce sapping, je viens d'y penser mais je vais la tester aussi en fait. Hein. Ok, le truc de bambou. Parfait. Ça c'est quoi ça? Ah mais c'est encore un bloc de concrete. Mais on est fatigué. Des blocs de concrete. Non, le black concrete me donne le black concrete. Non, je peux te les... qu'est-ce que j'ai pas testé du coup? C'était quoi que je voulais tester? Ah oui, c'était le mushroom que m'a dit tester. Et ça, je peux rien en faire, ça. Bah ouais, la glaze terracotta, je peux rien en faire. Ah, ça par contre, ça, on peut en faire quelque chose, ça. Ça par contre, ça, on peut tester deux crafts avec ça. Ça et ça. Bon, on va tester les deux, vous savez quoi? Allez. Allez, droppez-moi des bons trucs, là. Droppez-moi des bons items, je sais pas, les gars. Droppez-moi des bons trucs, là. Tu vas mettre une slab sur l'autre dans la table de, dans le truc? Non, ça fait rien, j'ai essayé. Ok, la carotte, ça sert à rien. Allez, le lit! Faut me dropper quelque chose de bien, là. Allez! Oh! Je crois que le oxyde copper, je l'ai déjà testé, en plus. Hein.
Oh super hein. Ah, vraiment top. Tip top tout ça là. En plus on peut rien en faire là, je peux rien faire de ça. Bon. Bah écoutez, c'est dommage parce que en fait quand on a le bois comme ça, on peut faire des trucs sympas. Faut que je coupe ma clim. J'ai trop chaud, enfin j'ai trop froid. Je coupe ma climatisation là, hop. On va faire des flèches. Ouais non mais je pense qu'on va faire ça. Mais je sais plus comment on avait fait les flèches, hein. Vous vous souvenez ou pas? En début de game. Parce que sinon je vais jouer qu'avec l'arc hein, pour l'instant. On va faire arc et on va jouer avec la hache et puis ça part hein, en vrai. Après. Teste le levier. Ah mais pour ça il me faut de la stone. Il vient d'où ton diamant? Bah je l'ai eu comme ça avec un item. Il pue un peu le stuff. Bah en vrai ça pue oui et non dans le sens où là avec un arc mec, si on croise des mecs qui sont no stuff, on fait un carnage vraiment. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Hein. J'ai commencé, en fait je me suis stuffé comme ça. Je me suis stuffé sur les gens que je tuais parce que les gens que je tuais avaient un stuff différent. Donc je pense que bon. Les panneaux, ouais mais comment on les avait eu les panneaux? C'est ça le truc. Ah oh, les fleurs, t'as raison mec. T'as raison les fleurs. Faut que je teste toutes les fleurs, vous avez raison les gars. Purple concrete. Un autre type de bois, celui-là on l'a déjà eu. Ok, celui-là. Ok. Green banner. Après, vu qu'il y a des gens autour qui sont passés par là. Oh, oh, ça c'est intéressant ça. Attends. Ok, allez, drop-moi un truc bien, s'il te plaît. Non mais mec, non mais c'est trop grave en fait. Non mais voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que ça c'est trop grave, vous voyez? C'est trop grave de faire des trucs comme ça là. Un bloc de bois qui me donne un bloc de bois. Fais une torche, ouais mais pour ça faut un charbon mec. Ok, du poisson, bah c'est super. C'est top. Faudrait que je trouve... Oh attends, je vais tester le poulpe. On sait jamais le poulpe. Et ça en vrai, ça on a pas testé ça non plus ça. Mais ça de toute façon pour que ça me drop quelque chose, il me faut 6 touch je crois. Alors il drop quoi le poulpe? Il drop des light gray banner. Eh mec, on sait jamais hein. Vous savez quoi, dans la vie... Tu peux faire fiche, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Peut-être que éclair dans le panneau change le loot. Non, 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 non. En fait, en gros, ça randomise en fonction de l'ID du bloc. Minecraft 2.big drip leaf. Du coup, bah là, si j'écris sur le panneau, ça change rien, quoi. Le sable, j'ai déjà fait. Salut Freeze, bonsoir. C'est vrai que la clay, on n'a pas testé. Ouais, quelqu'un qui dit l'argile. C'est vrai, la clay, on l'a pas testé. On va le tester tout de suite. C'est une très bonne idée, ça. 4 red wool, ok. Attention. Attention. On va pas aller plus loin, on va tester ça d'abord. Oh, des chiselés bookshelves. Ça c'est... Alors non, il n'y a pas de crash, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas un lag. C'est juste que je viens de me faire couiller en fait sur le craft. J'aurais dû faire un tapis, ouais, t'as raison. Un tapis avec deux trucs, t'as raison, ouais. Par contre, il y a le PVP dans 10 secondes là, donc va peut-être falloir que je me mette bien là. Attends. Un tapis, ça donne un bon craft. Hein. Ouais. Pourquoi pas. Testons. Testons, mon gars. Testons. Après, je crois que celui-là, j'ai déjà eu. Hein. Ouais, je crois que ça, je l'ai déjà eu. Ok, l'émeraude, j'ai déjà eu. Ok. Bon, là, il y a le PVP. Donc, ce que je vous propose, on se balade un tout petit peu. On essaie de croiser une ou deux personnes qu'on essaie de tuer, si on peut, avec notre arc. Et après, on avise. En fait, le truc, c'est que là, j'ai même pas de shield, j'ai rien. Oh, attends, 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 attends. Il y a un bébé slime. Qu'est-ce que ça drop? Ça m'a pas droppé, exceptionnel. Ça m'a pas droppé, pas eu de chance. Ah oui, pardon, bien vu, heureusement que vous m'avez dit. Effect remove, clear, arrobase, A, résistance. PVP activé, GL. Et dégâts des mobs aussi. Donc à partir de maintenant, les gars, les mobs font des dégâts. Autant vous dire qu'en plus c'est la nuit. Autant vous dire que le nombre de morts PVE... va être de 800 milliards. Non mais là mec, se balader la nuit comme ça, c'est suicidaire en fait. C'est suicidaire en fait. Ah mais là mec, les mobs... Putain mais ils regardent mes messages. Je pense que vous voulez dire ils regardent pas mes messages, c'est ça? Et voilà. Oh, un mec a réussi à kill. Les dogs, on va éviter de tuer les dogs. Hein, par contre. Les dogos. Mais le day, bah non. Kemen hits the ground too hard while trying to escape skeleton. Ah ça c'est intéressant, c'est des nouveaux blocs qu'on avait pas ça. Ah il est mort d'underpearl. Attends mais le mec a eu des underpearl.
Comment c'est possible? Comment il a fait pour avoir des perles, le frérot? Ah, je voulais vraiment dire ça. D'accord, ok, ok. Ok, un tapis! Non, mais donnez-moi des bons trucs! Des trucs qui se craftent, je sais pas. Des trucs qui donnent des crafts, quoi. Ah, ça c'est bien par contre, ça, regardez. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Parce que du coup, là, on teste ça et on teste ça. Dans l'ordre. Ok. Ok. Ok, oh, ça je peux faire quelque chose, non? Ah non, je crois qu'il m'en faut plus, hein. Ok, le pot, je l'avais eu tout à l'heure et ça dropait que de la merde. Ok, on teste ça. C'est très très dur de trouver des trucs sympas. Ça, ça donne un... Ok, ça donne le lapis. Et là, ça drop que dalle. Ok. Je crois que ça, après, c'est nul. Hein. Je crois que la Blackstone, on l'a déjà fait et c'est naze. Ouais, ok. Ok. La mission, les gars, c'est de survivre aux mobs. Voilà. Les mobs, ils despawnent dans 8 minutes. La mission, c'est de survivre aux mobs. Oh, putain. Il y a trop de mobs, en fait. Heureusement que j'ai plus l'aggro des pigmen, hein, par contre. Oh mec, non mais attends, il y a des brutes en fait là. Il y a des brutes. Aïe aïe aïe. Comment je vais me barrer les gars? Oui les B, je viens d'essayer hein, si jamais. Hein. Je viens d'essayer juste avant là. Ça me drop ça en fait les B, regardez, ça me drop de la green concrete powder je crois. Par contre moi c'est ça que je veux ça, ça je veux ça en fait. J'en veux. J'en veux de ces trucs là. J'en veux parce que je veux faire ça, regardez. La vache, ouais, mais attends, parce que là, mec, je t'avoue que là, à mon avis, on va aller s'enterrer, je pense. Hein. À mon avis, là, ça va partir sur un bon caving des familles. Parce que là, du coup, avec ça, on fait ça, et avec ça, on fait ça. Et de la nether brick. La nether brick, je peux tester un craft avec? Non. Et ça, je crois qu'on l'a déjà eu. Ouais. Bon, bah, définitivement, du coup, ceci ne sert à rien. T'as testé la canne à sucre? Yes! Je pense qu'on va s'enterrer, les gars, je pense, à mon avis. Je pense que le truc, le mieux à faire actuellement, là... C'est de passer la nuit en s'enterrant. Parce que vu le nombre de mobs qu'il y a, on va prendre notre pelle et on va creuser sous nos petits petons. De bambou, ça fait un stick. Ah, donc en gros, 8 fleurs jaunes peuvent faire un craft supplémentaire. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Donc ok, on va les prendre. 8 fleurs jaunes il nous faut. Ok, c'est noté. Je cherche les 8 fleurs jaunes, mais surtout je cherche une grotte pour m'enterrer le temps que la nuit passe là. Parce que là les mobs ils sont un peu violents quoi. Le random mob c'est hardcore de ouf là. En vrai c'est pas mal random. Oh non 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 non. Mais regardez-moi tous ces mobs là. Non 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 non. J'avais testé les moutons je crois que oui hein. Me semble. C'est un UHC de quoi? Aléatoire. Okay. Slime by slime, tu m'étonnes. Non mais attendez regardez. Parce que moi. Aïe. J'ai pas envie de prendre le risque. Voilà. On va attendre que la nuit elle passe les gars, parce que là c'est un peu... C'est pas que c'est un peu du suicide d'être dehors à ce stade là, mais un petit peu. Et du coup ça me permet de tester les trucs en cave que j'ai pas testé. T'as testé les ruches? Non. Non 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 non, j'ai pas testé. Au début j'ai lu t'as testé les russes. Voilà, je tiens à te le dire, j'ai lu ça et je me suis dit là c'est un peu compliqué ce que tu me racontes. Parce que j'ai pas trop envie de les tester personnellement. Après c'est toi qui vois hein. Hop, on va tester tiens un autre bloc là, que j'avais pas testé avant. Spruce Fang. Le O'Clock, je crois qu'on l'avait testé dans tous les cas, hein, je crois. Ouais. Genre Naruto, Luffy, etc. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, ni le BG? Qu'est-ce que tu me racontes? Oh là là, quand je vois déjà Naruto, Luffy, etc., en général, ça sent pas bon. Hein, dans le message. Il y en avait dehors. Ouais, mais est-ce que je me fais pas péter la gueule par les abeilles, non? Ah, par contre, ça c'est bien, ça, on n'avait pas testé. Attends, le copper, on n'avait pas testé. Le minerai de copper, on l'a pas testé? Il y a un mec qui dort. 1 sur 54 player sleeping. Bah vu la gueule des mobs dehors, tu m'étonnes. Hein. Oh, attendez. Ok, mais ça, du coup, je l'avais déjà testé. Ça, je l'avais déjà eu. Les pressure plates, c'est autre chose. L'endstone. Corse d'or, je crois, c'est autre chose, ça. Hein. Ouais. Vous pensez qu'on va finir par trouver quelque chose de bien, à un moment donné? Moi, je pense pas, hein, pour être honnête. Hein. Je pense qu'on va se taper avec ce stuff, hein. Je pense qu'on est en train de se casser la tête pour rien, là. Surtout que ça... Ah ça, la white wool, je l'avais pas testé tout à l'heure. Et ça me redrop en boucle la même chose, ouais, c'est mort. Ok, bon, c'est mort. Le copper, c'est une boucle, hein. Merci. Teste les blocs de bûches avec 4 bûches, hein. C'est vrai que je peux faire ça. C'est vrai, vas-y. Mais... ouais, mais je sais pas si ça va fonctionner, là, avec ça. Attends. Je sais pas si ça va marcher, attends. Bon, tout le monde est en train de clamser. Ah si ça marche. Ouais mais c'est la sandstone quoi. Et la sandstone on a déjà eu en fait. Oh on va jamais y arriver. Attendez si on a un autre bloc qu'on peut tester comme ça. Attendez.
On a un autre bloc qu'on peut tester. Regardez. On a un autre craft possible. Envisageable. Eh mais du coup il m'en refaut plus. Mec, allez, on ferme. Non, mais mec, je vais pas m'en sortir dans cette game. Je vais pas m'en sortir dans cette UH, c'est pour de vrai. Hein. Bonsoir God of Destiny. Pourquoi la prochaine vidéo BG? Demain normalement, demain après-midi si tout se passe bien. Demain. Mais ça c'est... Putain, vous vous rendez compte que c'est toujours les mêmes blocs qui tombent? C'est incroyable ça quand même. C'est tout le temps les mêmes blocs hein, qu'on voit passer. Celui-là j'ai déjà fait je crois. Non, je crois que je l'ai déjà fait celui-là. Je crois que ça, j'ai déjà dit. Vous avez du stuff en diams? Deux pièces. Il y a un mec qui serait deux pièces. Ça m'intéresserait bien de le tuer lui. Hein. Mais non mais personne ne l'a en fait je pense. Personne n'a rien. Bon, 4 sandstone aussi. C'est vrai 4 sandstone. Comment j'avais fait la sandstone déjà? C'était avec ça aussi, hein, je crois encore. Hein. C'était avec ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Sauf qu'il m'en faut encore du coup. Vous pensez qu'on va s'en sortir, les gars? Moi, je commence à désespérer là. Parce que là, du coup, ça me donne de la sandstone, ça. Mais du coup, j'en ai pas assez. Du coup, il m'en faut plus. Sauf qu'il n'y a plus de plus. Si, il y en a encore. Ok, c'est bon. Ok. Alors, attendez. On va partir un tout petit peu loin. On va remonter. Vous savez quoi? On va se mettre par là. Voilà. Là, il y a. Ça a l'air d'être un peu plus calme ici. Hop. Hop. En vrai, peut-être qu'en fait, il n'y a pas de bloc craft qui donne du stuff en diam, ça. Bah, si, c'est obligé. Il y a forcément un bloc dans le jeu qui donne là du stuff en diamant. Mais la question c'est quoi? Eh ben on sait pas. Et là voilà, on a tous les morts PVE qui sont en train de clamser, donc c'est parfait. Ah lourd. Ah bah c'est exceptionnel. Ok, on peut. Bah grâce à ça, on va pouvoir upgrade en notre armure en netherite. Bah c'est exceptionnel. Ah ouais mais bon, on peut rien faire de plus hein. Bon c'est bientôt le jour là, on va pouvoir sortir soon. Nickel. Attends mais ça. J'ai testé ça? J'ai pas testé ça. Si? J'ai pas testé ça, ça me dit rien ça. Ça me dit rien qui vaille. Tout ça là. Donc comme dirait l'eau, ça ne me dit rien qui n'aille. Ce qui ne veut strictement rien dire. Mais c'est ça qui est très drôle. Si c'est avec la table de craft, c'est baisé. Bah ça oui, mais ça veut dire qu'il faut trouver la table de craft d'abord. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que pour la prochaine game, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on donnera une table de craft à tout le monde dès le début de la partie. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Effectivement, ouais. Nouvelle vidéo UHC à la main, ouais. Merci Basique aussi pour les 1 an de sub. Hein. Merci, je sais plus si je t'ai remercié ou pas, mais merci beaucoup. C'est nul les mobs, le mec dit. C'est nul les mobs, alors que game d'avant, Anto SSJ m'a attaqué pour aucune raison dans la game d'avant. Hein. Voilà. Donc qui est nul entre lui et les mobs, hein? Moi je dis c'est un petit CSC de sa part quand même, hein, personnellement. Hein. Ouais. Non, non, y'a pas de FH. C'est vrai que vous pourrez. Oui, il faudrait un stack de table de craft, vous avez raison, ouais. Un stack de table. C'est vrai, un stack de table. T'as raison. Moi j'attends une minute, hein. T'es sûr? Yes. Ah, ça y est, le jour se lève. Enfin. Ça y est. Le jour se lève. Le jour se lève. Imagine pour la table de craft, il faut une table de craft. Et ben en fait, c'est ce que je viens de me dire là à l'instant. Je me dis, mais oui, si c'est ça, en fait, on est tous morts quoi, en fait. Si c'est ça. Le jour se lève et le village se lève. Pour 10 euros, tu final heal. Hein. Pour 50 subs, je final heal, hein, je le dis, hein, ici. Hein. Personnellement, je le dis. Hein. Clairement, hein. J'ai eu la table, je vais pas backseat mais je l'avais. Ok d'accord d'accord, non mais ok ok c'est bon à savoir. De mémoire c'est la fin des cochons pour les underperles et les vaches. Ah mais j'ai pas trouvé de cochons. Les vaches pour les tables de craft, putain mais j'ai pas testé les vaches en plus. Ouais ça me backseat dans tous les sens et alors hein. On est plus à ça près maintenant hein. Ah non y'a... On est plus à ça près maintenant hein. Ça fout le backseat de toute façon. Ah ouais c'était les vaches. Ah du coup il faudrait que je trouve une vache hein. En fait, moi j'ai croisé que des moutes-moutes depuis le début. J'ai croisé que des moutons et que des. Non mais mec, ça y est, non? En fait. Ces mobs veulent ma peau là, en fait, là. Tiens, il y a des vaches là. Alors les amis, on va tester la vache vraiment de manière aléatoire. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, vraiment. Absolument pas.
Vraiment, on ne sait pas ce que ça va donner. Attention, je me pose vraiment la question là. Un fil. Bravo. Et le cochon est juste à côté en plus. Ah et ça on l'a vu tout à l'heure, ok. Du coup ça doit être l'autre. Et l'autre qui était... C'était quoi déjà l'autre? C'était ça. Mais non! Non! C'est pas vrai les gars, on vient de trouver la table de craft. Non! C'est pas possible. Comment on a fait? Comment on a fait pour la trouver? Non, c'est incroyable. Alors là vraiment, trop chaud les gars. Bravo à tous hein. Comment on a fait pour la trouver celle-là? Non, non, vraiment trop hein. Oh, attends, 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 attends. Petit carpet? Ok, ça sert à rien. Anto Westlane. Ah, il va dire dans le chat que c'est nul. Attention, vous êtes prêts? Voilà. Bon, c'est bien, on tient notre nouveau Itiraton. Quand Itiraton aura décidé de partir à la retraite, on aura un nouveau. Quand il aura décidé de partir. Tu peux poser le fil. Hein. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Par contre, le cochon, je me suis fait scammer là, non? Ou je rêve là? Le cochon, on n'a pas eu la même chose, hein, les gars. Ah, là. Là, c'est un peu mieux, non? C'est vrai, il fallait que je garde le bambou. C'est vrai. Non, Warpen Nullium. Nullium. Non! No way! Mais attends, pourquoi moi je trouve rien là? Attends, 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 attends. Pourquoi j'ai rien là? En fait, depuis tout à l'heure, je me fais scammer là un peu là, non? C'est quoi qui donne le bambou déjà? A chaque fois que je dis ce mot, c'est horrible, frère. C'est horrible, j'ai dit. Oh. Ok. Encore un bloc qu'on a déjà, en fait. Utilise la TDC. On dirait que tu m'insultes quand tu dis ça. Utilise la table de craft. On dirait que tu écris dans le chat. Utilise la trou du cul, frère. On dirait que tu m'insultes quand tu dis ça. Fais gaffe. Utilise la TDC, d'accord? Mais toi-même, d'abord, en fait. On dirait vraiment que tu m'insultes quand tu dis ça, en fait. C'est abusé. Je me le prends très très mal, hein, vraiment, hein. Je te le dis. Espèce de TDC va. Non, j'ai pas insulté, j'ai dit espèce de table de craft. C'est tout. Vraiment. J'ai dit espèce de table de craft. J'ai rien dit du tout. J'ai dit juste t'es une tête un peu carrée quoi. Pas pareil. Il y aurait moyen de prévenir que. Que Rocco a toujours son live d'ouvert. Rocco? Qui est Rocco? Rocco? Ah, Croco! Ah, tu veux que j'envoie un message? Tu veux que je l'appelle? Rocco, il a toujours son stream d'ouvert? Il a pas coupé? Attends, je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire espèce de con. Mais il a fait la même connerie que l'autre jour. Putain, il a fait la même connerie que l'autre jour, cet abruti. Attends. Je vais lui dire. Croco. Vous allez voir, je vais me faire tuer pendant ce temps. Hein. C'est sûr à 100%. Hein. T'as encore oublié de couper ton stream. Tu l'as abruti. Je suis mort. Mais à chaque fois, il oublie. Moi, je pense que c'est une technique, hein, pour de vrai. Hein. C'est une technique. Là, ça fait 2 heures, il a oublié de couper son live. 300 viewers sur son stream. Il stream rien, il met des pubs. Moi, je pense que c'est... Je pense que c'est une technique, hein. C'est bon, je l'ai envoyé, c'est bon. C'est bon. Comment t'as 9 coeurs, c'est une dinguerie? Bah, parce que je suis fort au jeu, mec. C'est ça, hein, de faire juste du PVP clic gauche, hein. Et ouais, hein. Comment vous savez c'est qui Rocco Siffredi dans le chat, hein? Moi, je connais pas, perso. Moi, je sais pas qui c'est, hein. Merci Jupiter, faut poser le bambou de mémoire sur de la terre. Mais je l'ai fait déjà, je l'ai déjà fait ça. Il y avait un mec? Non. C'est vrai? Attends, je vais aller au 0-0, on va voir s'il y a des gens. Eh, moi j'ai un arc, hein. Qui veut me taper les gars? Alors par contre le problème c'est que l'arc dans cette version c'est un peu RNG, donc... Enfin un peu, hein, c'est pas un petit... Bam! Oh, il doit être tellement low! Oh, il doit être tellement low! Je suis dégoûté, j'ai plus que 3 flèches. Hein. Rocco, c'est un ancien youtubeur Minecraft? Hein. Ah ouais?
Ah, je connais pas du tout. Moi je suis pur, hein, je sais pas qui c'est. Attends, mais y'a un autre mec là. Ah non, c'est Anto, ok. Mais tu vas crever! Mais meurs! Voilà! Mais quel enfer! Mais j'ai deux cœurs! Mais meurs au bout d'un moment là! Ah, mais il a un truc projectile protection 3! Oh, il a un truc proche pro 3! Comment je fais des flèches déjà, les gars? Comment on fait des flèches? Comment on fait des flèches? Help! Oh putain! Oh punaise, y'a un autre mec là. Oh, le stuff de fou par contre. Hein. Mais mec, le stuff qu'ils ont les gens. What the fuck? Oh, y'a un mec juste derrière moi. Adieu. Je me casse de là. Putain, mais le mec a du stuff quoi. Il a du stuff faire quand même. Hein. C'est incroyable. Hein. Putain, comment on fait déjà les flèches? Je me souviens plus. Les flèches c'est des panneaux. Mais comment on les a faites? Fleur blanche, tapis, gris, flèche. C'est vrai? Si c'est ça, mec. C'est ça, la fleur blanche? Faut que je me barre de là. Faut que je me barre d'ici. C'est ça, tes fleurs, là? Si c'est ça, mec, écoute-moi bien. Ah, mais si c'est ça, en fait, c'est Anto. J'allais dire, je te sub, mais en fait, t'es déjà sub. T'as vu, mec, je t'ai vengé. C'est ça, fleur blanche, pour toi, quand tu dis fleur blanche? Attends, je veux voir que tu m'arnaques pas, là. Non, pas ça. Ça. Attends, mais mec, c'est hyper long, là, ton truc, là. C'est pas elle, l'autre. Hein. Ah! Mais ça drop la même chose, non? Ah, l'autre fleur blanche, putain, je sais ce que c'est. Tu l'obtiens pas comme ça, là? Si, ça, là. La Oxyde Daisy, celle-là? C'est ça, non? Pas elle non plus. Non, mais ça y est, frère. Ça y est! En plus j'ai zéro flèche quoi, je peux même pas taper une seule fois. Il y en a une troisième blanche, mais comment tu l'as? Il faut la trouver dans la nature. C'est avec le boulot je crois. Ah ouais. On va voir ça de suite hein. Oh le boulot. Hop. Ok. Deux white banners. Comment je vais me faire? Oh je sens que je vais me faire screamer la gueule là. Il va y avoir un gros screamer qui va m'arriver dessus. C'était pas la snow? Ça me dit quelque chose ça mec, la snow. La snow, ça me dit un truc. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, mec. Ça me dit un truc, ça. C'est ça, non? Attends, je sais plus, c'est lequel? C'est lui, non? Attends. C'est pas un truc comme ça? Non, ça, c'est les arcs, ça. Je crois qu'il y a un autre truc, c'est les... Pose de la fleur. Je crois qu'il faut la poser, oui, je crois. T'as besoin de quoi? De flèches? Et je sais plus comment on les fait. Là, je crois que c'est pas comme ça, mec. Là. Mec, tu m'as mis trop low. Oh! Let's go. Tu veux pas final heal? Mais non, je vais pas final heal, arrêtez. Je vais pas final heal alors qu'il y a le PVP. Ça n'a aucun sens. Craft des trucs en diams pour voir ce que ça te donne. Bah, mais... Ah bah oui, c'est vrai. Bah rien visiblement hein. Bon on tente quoi les gars en vrai. On se fait ce petit bloc là. Mauvaise pioche hein. On se fait ça. Mauvaise pioche aussi je crois hein. Attends c'est possible. Je t'ai mis autant en deux coups. Mais oui tu veux du diams? Non mais j'en ai. Mais là je cherche des flèches en fait. Sur mon corps il y avait 50 flèches d'ailleurs. Il les a pas prises hein. C'est vrai qu'il les a pas prises je crois. Mec, est-ce que je suis fou et je tente d'aller voir hein, au 0-0? Casse la table de craft, hein. Pas con. Bah, tu quoi, hein. De toute façon, au point où on en est. Oh. 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 Tulipe blanche. Hein. Bah, ouais, mais faut qu'on en trouve. Moi, je suis d'accord, hein. En vrai, il est pas trop fun cet UHC? Non.
Comment il y a un mec qui va me backstab et je vais prendre trop peur. Pour de vrai, hein. Il y a un mec qui va arriver derrière moi, il va mettre deux coups, je vais crever. Oh non, 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 no way. Ah mais, hey, écoutez-moi bien. C'est la première game et la dernière. Enfin, c'était les premières games et la dernière qu'on fera avec tout d'activé là. Sauf s'il y a quelques likes sur la vidéo, mais genre, pas beaucoup, genre. 20 000 quoi, genre, c'est rien. Y'a un mec là-bas, non? J'ai vu un pseudo, je crois. Moi, j'ai trop peur. En fait, le fait que j'ai pas de flèche, ça me met en PLS. Quoi? Quoi? Merci enfin. Pourquoi il dit merci enfin? Pourquoi tu gapes pas? Bah, j'attends qu'il y ait un mec, en fait, pour gap. Je vais pas manger, je vais pas gaspiller mon absorption maintenant. Ça serait dommage de gaspiller son abso, là. Merci pour le pour rien. Je vais voir s'il a pris le stuff ou pas. Non, 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 mais il y a un squelette pile devant le stuff, quoi. Mais il y a un squelette pile devant le stuff. Mais c'est quel type de chance, ça, en fait? Mais c'est quel type de chance, en fait, ça? Oh, il les a prises. Il y a un mec qui est arrivé qui a looté le stuff, il a pris les 50 flèches. Envie de Momo. Envie de juste de Momo, en fait, là. Et je parle pas du Momo qu'on connaît, hein. Ça va, j'ai 3 coeurs, en vrai je peux faire un kill avec ça. Non. Mais faut juste que je retrouve comment j'avais fait les flèches en fait. Une fois qu'on a les flèches, c'est gagné en fait. La game est gagnée. Une fois qu'on a les flèches, la game est 100% win en fait. Il suffit juste de toucher l'adversaire sans que l'adversaire nous touche et c'est gagné en fait. Ça fonctionne comme ça dans le jeu. Aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Y'a un mec là. Ah c'est énorme. Merci. Merci pour la gap. Par contre maintenant non mais attends mais y'a trop de mobs par contre là. Je me fais tuer par quoi? Par un silverfish. Mais c'est hardcore là. Alors mission, allez récupérer le stuff. C'est chaud de se souvenir de tous les crafts, mais bien sûr mec hein. Pas de problème, mission, aller chercher le stuff. Azmag was slain by piglin brute. Ah, ça c'est des messages qu'on aime voir, voilà. Croco a pas l'air d'avoir vu son chat, c'est une dinguerie. Non mais non mais il est pas là en fait. Croco il est parti en soirée là. C'est Croco quoi. C'est barré là. Oh 53 flèches de Gapple. Oh 53 flèches de Gapple. Oh, oh la game est gagnée. C'est gagné en fait. C'est juste win. C'est juste win en fait. 53 flèches. 53 flèches mec. Et un place 3 offert. J'avais même pas fait gaffe en fait. Mais c'est gagné à 100% en fait. C'est juste win. Maintenant ce qu'on fait là, c'est qu'on attend 5 minutes que l'annuel passe. On arrive, on prend les derniers kills et on gagne la game comme ça. Et voilà, fin en fait. Fin de la game. Hello, je viens de commencer Twitch, je suis en live à l'instant. Et bah du coup, si tu veux un bon conseil, je pense, c'est de ne pas faire ça dans les lives des gens. Parce que justement, tu vas avoir que des gens qui vont venir pour te trash sur ton stream. Donc si tu veux un bon conseil, c'est de ne pas faire ça. Vraiment ne pas faire ça. Mec, en vrai, mec, je fais un piège de fou. Quelqu'un qui passe là, il voit le pseudo, il veut venir rechercher le stuff. Hop, je creuse sous ses pieds, je le fume. Il avait 2 livres, hein. Ouais mais tu veux que j'en fasse quoi des 2 livres là, je peux rien faire là. Il avait 3 têtes de Wither mec, si on trouve... Oh mec il avait 3 têtes de Wither. Il a 3 têtes de Wither, je vais lui faire honneur et je vais récupérer ces 3 têtes de Wither. Et je vais trouver la Soul Sand et on va poser un Wither au 0-0 mon gars. Ah ouais Lucci on a rien à foutre de la bonne def quoi. Salut ça va mec, ça va bien et toi Nevos hein? On va faire honneur à ce type et on va poser un Wither au 0-0. Je vais aller chercher la Soul Sand dans le cadavre de Delete et on va poser le Soul Sand. Pusher, mais oui, il est arrivé, Pusher, il venait de commencer, tu lui as mis un taquet, regarde, tu lui as mis un uppercut. Il vient de commencer Twitch, Pusher. Il y avait de la Soul Sand, non pas dans son stuff. Pusher, tu lui as mis un taquet comme ça là. Non mais regardez ma stratégie. Ma stratégie est parfaite, regardez. Hop. Ma stratégie est parfaite. Hein. Un mec vient là. Et bam, bam, bam.
Il vient de commencer Twitch avec 800 follow. Ouais, j'avoue que là, en vrai. Après, peut-être qu'il a acheté des follow, hein, c'est possible aussi. Hein. C'est possible que ça arrive. Hein. Après, ça se trouve, il a pas vraiment commencé Twitch maintenant, hein, c'est possible aussi. Mais faut vraiment pas faire ça sur les... Si un jour vous commencez Twitch, ne faites pas ça, je vous le dis, parce que vous allez vous attirer la haine des communautés et des streamers. Enfin, pas la haine, mais bon, il y a des gens vraiment... Enfin, il y a certains streamers, à mon avis, et vous arrivez sur leur live, vous faites ça, ils vous insultent toute votre vie. Hein. Moi, je m'en fous, mais juste, voilà. Disons que bah, on l'a tous fait quand on était plus jeune, donc voilà. Mais je pense pas que le mec soit méchant pour de vrai. Hein. Je pense juste en fait, il faut pas insulter ce genre de personne. Faut juste lui dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire pour communiquer, enfin pour commencer une communauté sur Twitch, je pense. Vraiment. S'il débute et qu'il connaît pas pour de vrai, ah, peut-être qu'il se fout de la gueule du monde, hein, mais voilà. Hein. Peut-être pas. Hein. Combien de pêches d'âme ? Ça marche pas. Je peux pas. Et par contre, mec, si je gagne cette game. En vrai, il y a moyen qu'on gagne cette game. Il hein. Y a juste Alex qui a du stuff faire, mais voilà. Hein. Bon, c'est quand qu'on sort là ? Dans 2 minutes, on peut sortir. Ça s'achète des follow. Bah, en fait, t'as des sites ouais, où tu peux acheter des follow. Bon, après, en général, Twitch t'en rend compte et il te ban, mais voilà. Merci, Super Biscuit. D'ailleurs, j'avais pas vu. Je me reset pour te donner de la force pour les prochains events. Ça fait longtemps que je te suis et c'est agréable de voir tous les events que t'organises pour la commune MC. Je participe au Guild Games. Mon équipe a give up au bout de la première semaine, trop le seum. Bah, après, avec les problèmes et tout qu'il y a eu, je comprends, mais on avait précisé qu'évidemment, on prenait 2 semaines pour régler tous les problèmes hein, au total. Il nous faut à peu près 4-5 jours pour que tout soit stable. Et en général, après, c'est sur la 2e semaine que tu dois tout faire, quoi. Donc voilà. Et merci, Super Biscuit. Tente la tête de dragon. Ouais. C'est vrai que je pourrais mettre le stuff. Voilà. Et là, j'attends un mec qui arrive. Salut, bro. Allez, on va tester la tête de dragon. Allez. Pour vous, j'ai testé la tête de dragon pour vous. Ça tourne mal. En désister, j'aime pas trop ça. Hein. Cette musique, hein. Oh là 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 là, le jeu Pokémon de mon enfance, sur la Wii. Aïe 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 aïe. Attends, mais Sprucewood, on l'avait déjà fait, on va tester celui-là plutôt. Le retour des voix off en live. J'ai testé la tête de dragon pour vous, c'était un énorme flop. Ok, plus que 20 joueurs, et mine de rien, 2 kills pour l'instant, et... On s'en fout, hein. On finit la game, hein. La game qu'on a commencé précédemment, on l'a fini, hein. Le gravier donnait des loots différents à chaque fois, donc quand tu le cassais. Parce qu'en fait, ça te drop bah, forcément le loot du gravier et ça te donne le loot du flint aussi. Donc voilà, bon, on va pouvoir sortir là, les amis. En fait, j'ai un peu peur de sortir parce que là, avec les mobs, les slimes qui m'attendent au-dessus, bon. Je pense que là, la solution, c'est de se mettre sur la roof forest. Hein. Sortir sous un arbre et se mettre sur la roof. Ça va, Sherim ? Putain, mais mec, hein. Sherim, big 2023, mec. Incroyable. Bon, Croco, il dort, je pense. Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on sort la team? Est-ce qu'on sort la team ou est-ce que je vais chercher juste l'arbre? Regardez. La titre de la vidéo, c'est comment j'ai gagné en étant AFK. Comment gagner une partie du HC Minecraft hein. Mais là par contre on est sur du Minecraft ultra hardcore hein. Là on est sur du MC ultra hardcore. Y'a pas de... Oh non putain, y'a une brute. En plus c'est full bugué, ça va me taper à travers les blocs ce truc. Il va me taper à travers les blocs. Je vous le dis, je le sens venir. Faut que je me barre de là. Il faut que je me barre de là. Putain. Ce truc va me taper à travers les blocs, c'est sûr et certain. T'as de l'or. Ouais, j'ai de l'or, je crois. Ouais, j'en ai un. Non, mais en fait, j'ai envie de sortir là, en fait. Là. C'est ça le problème. Donc là, j'ai juste envie de sortir dehors, en fait. Et j'entends des mobs, ça me fait pas plaisir en fait ce que j'entends là. Bon, je sors et je me barre. Hein. Oh, il y a une brute à un bloc de moi. Non mais ça y est frère. C'est trop là en fait. Il y avait une brute à un bloc de moi, genre c'est quoi cette merdier en fait. Bon, je me mets sur les arbres. Hein. Alors là, je ne bouge plus en fait. Je ne bouge plus d'ici hein. Bon, trouvons des gens. Quand tu te subs, ça le fait tous les mois.
Ça je sais, mais faut venir sur le live ou ça le fait tout seul? Non, ça dépend en fait. Si tu subs avec Prime, il faut venir sur le live. C'est un mouton qui a mangé, hein. C'est pas un mec qui a cassé un bloc. La bordure est en mouvement, mais exceptionnel ça. Vraiment. Hein. Oh pétard, y'a un mec là-bas. Moi j'ai envie de l'allumer. Ah, c'est Alex, hein. Il a du stuff en vrai. Je vais l'allumer, je pense. Hein. Je vais essayer de l'allumer, hein. Il y a un mec là aussi. Il y a un mec juste là. On va peut-être essayer d'allumer le mec avant d'aller allumer Alex. Hein. Parce que tous les mecs que je peux, où je peux récupérer une gapple sur eux, j'avoue que je vais le prendre. Attends, mais lui, il a du stuff de fou, lui, par contre, là. Il y a un mec qui me shoot derrière, je crois que c'est Alex. Ah, il va venir me clean up. J'aime pas du tout ma position là. Ah, je suis encerclé, je suis en sandwich. J'aime pas du tout ma pose. Je suis encerclé. Mais what the fuck, hein? Comment je peux pas le toucher là? Ce merdier. Ah, il est mort. Ok, il est mort. Il est mort par Alex. Il s'est fait shooter. Ok, il est juste en dessous, Alex. Il va chercher la gap. C'est le moment ou jamais. Je pense que j'ai dû lui mettre cher, je pense. Avec deux flèches, à mon avis. C'est super bien joué. C'est super bien joué. Faut que je me barre d'ici, je pense. Je vais clamser là. Je suis vraiment dans une pose de merde là. Je vais mourir par un mob. Putain, c'est un renard, ça m'a fait trop peur. Je sais pas où il est, ça me fait peur. Ça sent pas très bon. Oui, je suis d'accord. Après là, j'étais en sandwich, j'étais vraiment dans une pose de merde. J'ai pris que des dégâts de mort en fait là. Là j'ai pris vraiment des trop de dégâts inutiles parce que j'étais en sandwich sur deux mecs. Hein. Attends. Une flèche dans la tête, tu meurs. Ah bah là ouais. Hein. Faudrait que j'essaie de trouver un autre mec hein, pour réussir à avoir une pomme d'or sur lui. Par contre, il a trop bien joué, Alex. De tirer au-dessus comme ça, c'est super smart, en fait. Forcément, ça allait me toucher. Au pire, tu attends et tu clean up le dernier. Avec deux cœurs, c'est chaud, là. Non, il faut que je trouve un autre mec. Faut que je trouve un autre mec qui tourne autour du 0-0. Il m'a suivi. Non, mais je suis mort. Il m'a vraiment suivi, là. Oh, il m'a vraiment suivi jusque-là. Oh, c'est bien joué. Ah, oh, c'est bien joué, putain, je m'attendais pas à ce qu'il me suive jusque là. Ah ouais. Oh, il le voulait son kill, hein. Ah non, mais vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il me suive jusque là, hein. Pour de vrai, je m'attendais vraiment à ce qu'il me lâche, hein. Mais non, il m'a vraiment suivi jusqu'au bout. Bah bien joué, en vrai. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, j'ai essayé. Ah, il avait un demi-cœur. Ah, l'enfer. Ouais, ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il devait essayer, du coup. Il devait forcément essayer. Forcément. Dommage. Dommage, punaise. Quel dommage. Bah en vrai je pense que... Fais voir le stuff des autres vite fait. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose après avec les autres là? Bon ok, lui il avait rien, lui il a un casque, il a rien. Après le problème c'est que ça aurait été pour... Oh il a des arbalètes lui. Ah ouais mais mec lui j'aurais rien pu faire en fait. Lui m'aurait tabassé la gueule. Parce que s'il a des arbalètes c'est fini en fait.
On se souvient de la game précédente, donc voilà. Patate Suprême, il a un arc enchant. Il a du stuff enchant. Mais attends, Patate Suprême, il est trop bien dans la game, là. What the fuck, hein. Ah, il est contre... Allez. Voilà. 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 J'avais plus beaucoup de vie, comme vous pouvez le constater. Ouais. Bah du coup, Alex se remet trop bien, du coup. Ouais, si j'avais tué Alex, si j'avais mis cette flèche sur Alex. Funaise. Si je lui avais mis cette flèche. Quel enfer. Si je lui avais mis cette flèche, j'aurais pu tuer peut-être Patate derrière. Et à la limite, peut-être qu'on aurait gagné ou peut-être pas, je sais pas. Mais en vrai, ça se joue, je pense. Ma mort, enfin... La win de la game se joue peut-être sur cette game-là. Mais faut voir avec Zediax aussi, là. Zediax avec ses trucs. Attends, Zediax, il arrive au 0-0. J'ai envie de voir s'il fait un truc ou pas. Parce que je pense que c'est le seul, à la limite, qui peut gagner la game, je pense. Pour de vrai. J'avais un power 3. Ah, du coup, il a récupéré un power 3, là, Alex. Il va gagner la game. Il met une flèche à Zediax, il est mort, quoi. T'as quel âge ? 24 ans. 24 ans. Et ouais, ça vieillit, hein. Ça vieillit un petit peu, hein. Petit à petit, hein. Ça, par contre, je porte la malédiction, là. Zediax, pour moi, c'est le seul qui peut vraiment faire un truc contre Alex, là. Je vais voir. Bon, ouais, c'était quand même marrant, les deux petites games qu'on a fait en UHC random loot, plus craft, plus tout. C'était quand même rigolo. Maintenant, c'est un peu trop le bordel, on verra. Mais j'ai bien envie de tester un peu le random avec le random des mobs, le random des trucs, plus un peu en détail. Allez, fais voir, Zediax. Me déçois pas, frérot. Me déçois pas. Après, là, on a vraiment pas eu de chance au niveau des mobs. Attends, là, il a peur d'un mort, là, je crois. Ouais, là, il a peur d'un mort, là. Et il voit un pseudo, il se dit, putain, il y a un mec en face. Alors que c'est un mec qui est mort. Vas-y, Zediax, t'inquiète. Tu vas pas crever, mon gars. T'inquiète pas. Tu peux le faire, Zediax. Zediax, on est tous avec toi. On est tous avec lui. Munchos TikTok lance un raid avec un groupe de 1. Est-ce que c'est pas une nouvelle technique? Attends, mais est-ce que ça serait pas une nouvelle technique pour que le pseudo du mec soit mis en avant? Attends, mais c'est ça, c'est trop smart. Le mec met son pseudo, underscore, du coup, le réseau social, et il fait des raids en boucle sur les chaînes des gens avec un viewer. Franchement. C'est avec les subs. Non, là, c'était avec tout le monde. Tous les gens qui pouvaient mettre leur pseudo étaient whitelist, et puis voilà. Qui va gagner? Bah écoutez, c'est soit Alex, soit Zediax qui gagne. En tout cas, c'est marrant parce que sur les deux games, on passe à un fil de la victoire à chaque fois. Mais bon. Allez, Zediax! Montre-nous, frère! Et là, c'est le mec que j'ai tué. Pétard. Il va aller voir le stuff, je suis sûr. Big brain. Big brain time. Bon, et puis après, écoutez, moi, je vous laisserai là. Ce soir. Parce que j'ai un truc à aller régler en deux spies. Et après, j'ai un jeu vidéo qui m'attend. Et voilà, Alex qui commence à se remettre bien, du coup, en vie. Alex qui était à 1/2 cœur après mon combat, qui fait 2 kills, donc il se remet plus que midlife. Donc voilà. À quand une série Pixelmon? Est-ce qu'on lui dit ou pas, les gars? Est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit que depuis le début de l'année, j'ai fait 100 heures de live sur Pixelmon? Est-ce qu'on lui dit? Comment dire? Comment dire? Faut faire plus souvent des UHC avec tout le monde et pas qu'avec les subs. Bah ouais, j'aimerais bien. Pas live, mais série. Ah, ben ça, mon gars. Tu parles à la bonne personne, alors. Très bientôt, quand j'aurai la motive de faire la vidéo. Allez, Zediax, mon frère, là. Mais tu vas pas au 0-0. Ça va jamais finir. J'ai trop le seum. Ça va jamais finir. On ne saura jamais si Zediax va réussir à kill Alex ou l'inverse. Mais après, je pense que Alex a gagné, là, je pense, hein. Et après, Alex, il avait un arc de fou, hein, quand même. Il avait un power 1 aussi, je crois. Hein. Eh, regardez le stuff qu'il a. Attends, mais il a une hache en netherite ou je rêve, là? Attends, quoi? Ok, il y a des crafts qu'on n'a pas trouvé du coup. Hein. Il avait une, mec, une hache en netherite. Hein. Non, mais c'est... Comment t'as eu la hache en netherite, patate? Sans dire ce que c'est dans le chat, juste pour savoir. Et le power 3, comment tu l'as eu? Ah, ouais, mais là, il a gagné. Il a 100% gagné, du coup. Donc, en gros, voilà. La win se joue sur un demi-cœur. Si je lui mets cette flèche, on peut gagner la game. Derrière. Quel enfer. Quel enfer. Bravo, hein, Alex. Hein. Putain, il a trop bien joué en vrai. Franchement, c'était trop smart. Hein. Il y a un mec en bas. Regardez la mort. Par contre, le mec est full fer en bas. Non, mais what the fuck. Attends, mais comment ça, le mec est full fer? Ah non, ok. Mais il est quasiment full fer. Mais les mecs sont trop forts. Big brain, hein, pour tous ces mecs-là. Hein. Mais comment c'est possible d'avoir autant de stuff, hein? Escalier en cobble et c'est moi qui ai donné l'info à patate comme on était en vocal. Oh, mais c'est de la triche, vous étiez deux cerveaux pour réfléchir. C'est du shit, ça.
C'est du gros cheat de sa mère, ça. Les mecs ont triché. Escalier en cobble pour la hache, l'arc j'avais lapis, enchanté cobble. Et oui, du coup, forcément, vu que quand vous aviez la table de craft, forcément, tu peux faire tellement de craft. Hein. Bah ouais. Allez, terrain craft. Vas-y, mon gars. Vas-y. Terrain craft. Peut-être va-t-il mettre une seule flèche. Dit le monsieur avec un chat. C'est vrai. C'est vrai que moi, j'avais quelques cerveaux aussi sur le chat. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que terrain craft ne peut mettre qu'une seule flèche à Alex? Est-ce qu'il va le faire? Il va mourir sur cette flèche. Terrain craft. Non, terrain craft. No. Bravo. Bravo, Alex. Bah, des cerveaux, pas sûr. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je pense qu'on peut donc applaudir Alex qui va remporter cette partie sans trop de surprise parce que là, du coup, il a récupéré plein de pommes d'or. Personne n'a le stuff pour évidemment le tuer. Bravo Alex qui gagne cette partie avec sûrement un bon 10 kills, je pense, hein, à mon avis. Hein. Ouais, GG d'avance. Hein. Je pense que personne, non, il y a strictement personne qui pourra faire quelque chose. Naga, ça va le flex comme ça là, en fait. Le flex comme ça de Naga en plein. Comme ça. Pris en flagrant délire là, pour de vrai. Hein. Pris en flagrant délire, regardez ça là. Oh, le flagrant... Non, mais... Le fragment délire. Vraiment. En fragment délire, complètement, là. Incroyable. C'est quoi ce flex, là? C'est quoi ce big flex, là? Vas-y, 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 vas-y! Oh, mais encore plus flex, là! Zedjax was shot by skeleton. Ok, donc Zedjax, c'est vraiment la déception de l'année. Hein. Zedjax, c'est la déception. Hein. Non, mais Naga, ça, c'est incroyable. Naga, c'est incroyable, ça. Un petit god bridge, là, en vrai. Allez, petit code bridge là. Allez, 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 allez. Mais toi, on a compris que tu veux passer sur le stream. Depuis tout à l'heure, tu te mets devant moi. On a compris, frère. C'est bon, on t'a vu. Si seulement j'avais été dans la game, s'il aurait pas fait grand chose, le Alex. Hein. Gros flop, ouais, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Vas-y, Naga. Perle. Non, mais. Non, mais c'est un truc de fou quand même de forcer à ce point-là. Là. Non, mais c'est un truc de fou là de vouloir autant. Hein? Ça suffit là, en fait, là. Bon, bravo, Alex. Bravo Alex. Oh putain, mais y'a un mec là. Bah attends. Non mais alors là. Non mais. Non mais la situation est lunaire là. Non mais alors là. Naga. Non mais mec. Pitié, je t'en supplie. Sors et mets un coup à Naga et tu récupères tout le stuff. Ah. Bah je crois que c'est fini. Naga l'a vu. Mais Naga doit avoir un demi-cœur, non? Pour jouer comme ça. Non? Ou alors, elle a vraiment pas vu? What the fuck? Frérot, sors de là! Vision 2.0, sors de là! Mets un coup à Naga! Ah bah là, c'est fini, là. Alors la mort, attention, en direct. Hein. Voilà. Non mais pourtant, c'est dommage. Hein. Ça partait d'une bonne intention, hein, pourtant. Mais c'est dommage, c'est dommage. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais je te jure. C'est dommage, ça partait d'une bonne intention, quand même. Hein. Eh ben. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va au 0-0. Ah, mais c'est pas à cause de la nuit. Il veut pas mourir à cause des mobs. Oh, Killers qui a 1000 blocs. Hein. Pétard. La game va jamais finir. 1000 blocs. 1000 blocs. 400 blocs. Mais bon, voilà. On... Bref. Hein. Bon, la game va jamais finir. Allez. Finito pipo. Hein. Encore en cave après 1h30 de jeu. Mais je te jure. Hein. Demain, il y a quoi comme UHS prévu? Alors, demain. Demain. Demain, tournoi Mario Kart. Pour le fun, parce que maintenant on a atteint notre objectif, donc demain c'est pour le plaisir. Demain c'est pour le plaisir. Demain on testera peut-être un autre combo, on verra. Demain, oh je sais, je vais dire allô, tu fais mon combo et je joue avec ça. Demain, tournoi Mario Kart pour le fun. Y a pas de... On vise pas de place, rien. Demain c'est pour le plaisir, maintenant que j'ai atteint mon objectif, c'est juste pour le kiff. Demain, tournoi 91 et on va aller jusqu'à 100 tout de même. Hein. On va aller jusqu'à 100. Mais voilà, donc 91ème. Ensuite, l'après, on fera des games et puis on avisera. On verra. On attend le jour. OMG, pitié, l'eau fait un truc bien nul. Oh, le jour où l'eau joue un tournoi Mario Kart de ponce avec moi. Trop bien. Un truc en LAN, là, trop bien. Je suis une grosse déception, mais j'avais un demi-cœur, je pouvais rien faire contre Alex. Ouais, mais je crois que tout le monde a un demi-cœur, je crois. Donc je crois que Alex. Donc on va pas trop spec plus longtemps, tout de même. Dans l'objectif, t'as fait top 1 tournoi de ponce? Non, j'ai fait top 9. Hein. Mais mon objectif, c'était la semaine dernière, donc l'objectif est large. Le plan est impossible, étant donné que c'est que des joueurs professionnels qui jouent. Non, mais j'ai jamais vu un gros forceur comme lui.
De fou. Non mais c'est... Non mais je t'adore. J'ai jamais vu un mec forcer autant. Trop grave. Le mec me suit partout. Dinguerie, regarde. Regarde. Il va réussir à me... En fait, il va réussir à me trouver, je suis sûr, là. Le mec arrive, hein. Pour de vrai, hein. Il a... Oh là 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 là. La réponse la plus likée sous ton tweet, la réponse de Domingo. Drôle comme tweet. Hein. J'adore. Vraiment, hein. J'ai vraiment trouvé le tweet était incroyable. Attendez, je vous montre et puis de toute façon, je vais vous laisser, mais... Le tweet est incroyable. C'est une masterclass. T'es où? Bah, je sais pas, à toi de me trouver, hein. Parce que Domingo, tout à l'heure, a tweeté... Ça. Voilà. Donc j'ai répondu, félicitations. Et qui n'a pas répondu de... Non, mais c'est trop drôle. Non, mais c'est trop drôle, parce que Domingo a tweeté, voilà, que madame a dit oui. Du coup, je dis félicitations. Non, mais ça, c'est le tweet de l'année, ça, en fait. C'est juste trop drôle, en fait. C'est juste trop drôle. C'est le tweet de l'année, en fait. Vraiment. Hein. J'ai vu le tweet tout à l'heure, j'ai explosé de rire. C'était trop drôle, en fait. Voilà. Hein. Ratio égale la bague. C'est vraiment trop drôle, hein. Non, mais c'est vraiment trop, trop drôle, en fait. Hein. C'est trop débarre. Hein. Qui est mort? Atlas est mort, non. Bizarre, tu vas pas like. Attends, 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 je rattrape. Je rattrape. Non, non, mais attends, attends, parce que je me fais ratio, là, ça va pas du tout. Je suis en train de me faire ratio, là. Je vais liker, mais je me fais ratio. Ouais. Mais pourquoi tu tweets pas plus souvent, Lo? T'es une tweetos, là. Hein. Tu tweets une fois dans l'année et tu fais un tweet masterclass. Du coup, elle est où, ma bague? J'ai pas fait top 8 Zilan, hein. Si je gagne Guild Games, voilà, on peut faire un truc. Je suis mort. C'est vraiment devenu un running gag, hein. Ça me fume de rire. Tu nous as dit Marbles. Oh, c'est vrai, putain, j'avais dit ça hier. Oh. Pourquoi je parle déjà? Pourquoi je parle? Tu participes à ta propre LAN? Non. Parce que nous aussi, 5 ans, c'est pas une compétition, c'est vrai. C'est vrai que ça va faire 5 ans, punaise. Eh ben, 5 ans. Ah, mais j'avais dit Marble hier. Mais pourquoi je parle aussi? Faut pas que je parle, moi, hein. Vraiment. Hein.